2010. I'm about to step through a gate into another time. Or maybe it's another world. I'm being sent in with other members of TRAT. Our mission? To rescue 1300 survivors and collect data on the Third Energy Project. Et pour faire ça, vous allez voir qu'ils sont drôlement équipés. Regardez les gros flingues qu'ils ont. Et c'est normal parce qu'ils vont avoir à friter du dinosaure. Ah, Marcus Dino de chez Game One. C'est vrai, j'ai l'impression d'être à Game One depuis le Crétacé supérieur, moi. Voilà, le jeu s'appelle Dino Crisis 2. Évidemment, c'est la suite de Dino Crisis. Et regardez le genre de bestioles qu'on trouve dans le jeu. Les cinématiques sont super. On va se faire un petit plaisir. Je crois qu'on va la regarder, celle-là. Peut-être même la laisser jusqu'au bout. Regardez, on se croirait dans Jurassic Park. Vraiment, c'est étonnant. Il en sort de partout. C'est assez génial et vous verrez que dans le jeu il y en a peut-être pas autant, mais il y en a vraiment beaucoup qui sortent un peu de tous les côtés. Il faut arriver à se défendre contre ces sales vélociraptors. Vraiment, vraiment, c'est le croisement entre Resident Evil et Jurassic Park. L'idée de ce jeu, c'est que de toute façon, c'est le système de jeu de Resident Evil, c'est-à-dire des décors en 3D précalculés. Il y a un personnage qui est lui en 3D, vous déplacez, vous résolvez quelques petites énigmes et vous tirez sur les zombies ou en l'occurrence les dinosaures. Ça change un petit peu. Il y a des énigmes, mais c'est très très minime. Autant dans les Resident Evil, les énigmes sont un peu plus étoffées, les scénarios étoffés. Là, vraiment, ça se réduit à trouver des clés pour ouvrir des portes, des cartes pour passer dans des trucs. Vraiment, c'est très très simple. Attention, voilà une grosse bébête. J'adore ça, je trouve ça super bien, j'adore les dinosaures. J'aime bien les dinosaures. Du coup, les mecs, je crois, en fait. Oh, la sale bête! Attention! Voilà, le dinosaure s'abat au bazooka. Sinon, autre chose, ça marche pas. Un petit flingue comme on aura au début, c'est pas très efficace contre un T-Rex, en fait. Donc vraiment, c'est du Resident Evil et du Jurassic Park en même temps. Allez, je laisse durer encore la petite séquence, elle est trop belle. Et ça fait plaisir de retrouver ça. Simplement, il y a beaucoup moins à réfléchir. Là, vous allez voir qu'ils ont poussé le principe de Dino Crisis 1 au maximum. Ah, bah, il n'y a plus de route. Qu'est-ce qu'on fait? Ah non, ça. Il s'est poussé au maximum, c'est-à-dire que c'est très orienté sur l'action, vraiment. Il va falloir tirer un peu sur tout ce qui bouge et tout ça. Il y a beaucoup moins d'énigmes que dans le précédent épisode, vraiment. Et c'est beaucoup plus jouable, beaucoup plus rapide. Vous savez que dans les Resident Evil, en général, pour tirer sur quelqu'un, il faut se mettre comme ça et tourner. Ça prend des heures, c'est super lent et c'était très chiant. Là, tous ces problèmes-là sont résolus dans Dino Crisis 2. C'est beaucoup plus fun, on arrive à jouer tout de suite et tout de suite c'est plus rigolo. Allez, je passe les scènes cinématiques, on va aller dans la bagarre directement. Donc voilà le héros, on commence avec lui. Très très vite, on aura Regina, la fille qui était dans le premier épisode, qui avait un nom de pizza, la pauvre. Elle n'a pas changé de nom, mais elle n'a pas changé de look non plus, on la retrouvera. On commence avec lui, mais ensuite on change de personnage au fil de l'aventure. Donc comme d'habitude, quand on appuie sur la croix, ça permet d'explorer un peu, de regarder les objets. Là, on me dit que c'est court-circuitable avec un sabre électrique. Lui n'en a pas, Regina en a un par contre. Donc pour le moment, lui, il ne peut pas aller plus loin que ça. Voilà un élévateur recouvert de lierre qui ne peut pas servir à grand-chose. Alors regardez bien, en fait, ce qui est nouveau, c'est qu'il peut avoir deux armes. Il a son flingue qui permet de tirer et de se retourner très très vite, ce qu'on pouvait faire dans les tout derniers Resident Evil. Donc ça, c'est pratique. Et puis, il a aussi un sabre, voilà, qui sert d'arme secondaire et qui évidemment n'utilise pas de munitions. Donc de temps en temps, quand vous serez à court de munitions face à des vélociraptors, il faudra penser à sortir le sabre. Voilà. Alors il y a toujours le système d'ouverture des portes, les temps de chargement sont un peu plus courts qu'avant, mais il y a toujours ce petit temps de chargement qui m'énerve un petit peu, moi, en général. Mais bon, on s'y fait et surtout c'est plus rapide qu'avant, donc allez, on va pas se plaindre. On va dire que ça a été grandement amélioré de ce côté-là. Oh, attention, voilà des bêtes encore. Là, c'est une scène cinématique, ça se voit parce qu'il y a des bandes genre cinémascope, vous pouvez rien faire. Et dès que les bandes s'en vont, hop, c'est à vous de jouer en général. C'est bien d'ailleurs ce système, je trouve que c'est bien vu parce que on comprend tout de suite et on sait quand agir et quand ne pas agir. Ouh, là, ils sont trois contre moi. Donc mon conseil, quand c'est comme ça, c'est de filer le plus loin possible, le plus vite possible, sans se faire choper, pour trouver un endroit où l'angle de tir nous soit un petit peu plus favorable. Ici, ça paraît pas mal. Donc regardez, hop, j'épaule. Alors un truc génial, c'est que automatiquement, il s'oriente vers le dinosaure ou l'adversaire le plus proche, de façon à pas avoir de soucis. Et c'est pas à vous de viser super longtemps. En général, on trouve tout de suite, il se retourne tout de suite automatiquement vers l'endroit où il faut aller. Donc ça, c'est bien. Ah, il y a une coulée de boules, par là, je pourrais pas passer. Par contre, il y a un medikit. J'ai vu une bestiole arriver juste à ce moment-là. Je vais prendre le medikit. Et regardez, j'appuie sur le tac sur la touche R1 et tout de suite, il se retourne pour tirer sur la bestiole. Donc c'est bien parce que... Ah, mais il y a ma tête derrière le dinosaure, je ne vais pas le voir. C'est bien parce que du coup, ça marche au réflexe. On n'a pas besoin de viser, on peut aussi viser, mais ça va quand même très très vite. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'on s'embête pas. Il s'embête pas trop non plus pour monter les échelles, sauter, etc. Par exemple, là, il y a un dinosaure en haut, un dinosaure en bas. Voilà. Vous avez vu que je suis monté par l'échelle, mais je peux aussi sauter par ici. Alors que dans les anciens Resident Evil, il fallait absolument passer à l'endroit où c'était prévu.
Là, s'il y a un petit ravin ou une petite corniche comme c'est le cas ici, il peut absolument se débrouiller pour sauter. Alors, il y a un truc pas mal, vous avez vu, il y a écrit combo, c'est un peu bizarre. Là, ça fait 7 dinosaures que j'aligne d'affilée. Tant que le mot combo, à chaque fois que je bute un dinosaure, le mot combo s'affiche. Là, j'en suis au 9e. Et si j'en bute un deuxième avant que le mot combo se soit éteint, ça me rapporte des points en plus. Donc ça, c'est plutôt bien. Parce que les points permettent d'acheter des objets, notamment des armes, ce qui est assez efficace. Là, j'en suis à mon 12e dinosaure d'affilée. Si j'en trouve pas un autre vite fait, le combo va s'éteindre. Et il faudra que... Voilà, ça y est, le combo s'est éteint. Vous voyez ? Donc j'ai quelques secondes pour réaliser mon combo, c'est-à-dire buter un deuxième dinosaure juste après le premier. Et voilà, regardez, les points s'affichent en bas. Ça me permettra d'acheter des armes un petit peu plus loin. Allez, il descend. Vous avez vu que c'était bien animé, je trouve. Ils sont super bien animés, les personnages, vraiment. Alors, où sont les bêtes ? Donc pour le moment, j'ai utilisé que le flingue, mais j'ai aussi le petit sabre. Peut-être le faire pour le prochain. Regardez comme c'est beau, ces décors. Je trouve ça superbe. Voilà. Et puis là, je me suis fait deux d'un coup. Tac. Ça fait un maxi combo, normalement. Peut-être le prochain, je vais essayer de le faire au sabre. Ah, il est en bas. C'est un peu dommage. Vous avez vu comme ils sont vivaces. Là, je me suis mis en mode facile. Ils ne me posent pas trop de problèmes. Mais en tout cas, ils sont très, très rapides. Donc heureusement que le mode de jeu a été adapté parce qu'il faut réagir très, très vite en général. Il vous laisse pas tellement le temps de faire l'andouille, il faut vraiment appuyer tout de suite sur le bouton et tirer. Voilà, donc ce mélange d'action et un tout petit peu d'énigme est assez sympa, je trouve. C'est vraiment beaucoup plus porté sur l'action que les épisodes précédents. Donc peut-être que vous n'aimerez pas, peut-être que vous préférez les énigmes dans Resident Evil. C'est vrai que jusqu'à présent, moi j'aimais pas tellement le côté tir dans Resident Evil parce que je trouvais que c'était pas pratique, qu'on avait du mal à réagir vite. Au moins ce problème est réglé, donc ça c'est plutôt bien. Il y a toujours la petite flaque de sang, vous voyez. Ah ! Vite, vite, réagissons. Toujours la petite flaque de sang qui s'affiche dès qu'un adversaire est vraiment, vraiment mort. C'est comme les zombies qui se relevaient de temps en temps. Là, c'est pareil. Parfois, les dinosaures se relèvent quand ils n'ont été que blessés. Je vais essayer le sabre, là, depuis le temps que je le dis tout à l'heure. Le prochain, je me le fais au sabre. Allez, à l'artisanal. On va faire une petite boucherie. Ça, c'est moi. C'est pas un dinosaure. Voilà. Quoique, ça se discute. Suis-je un dinosaure de la micro? Je commence à le croire. Quand même 10 ans que je suis testeur de jeu, mine de rien. Ça fait une éternité dans le monde du jeu vidéo. Comment ça avec les consoles Moulinex Orange, où vous pouvez jouer au foot, au hockey et au ping-pong. Donc voilà, j'en ai connu des trucs. Bon, il y a un medikit là-haut, je vais peut-être aller le chercher. Ça m'évitera d'avoir des ennuis. Et j'avais promis de me faire un dinosaure au sabre. Je vais peut-être le faire avec lui. Pour le principe, voilà, hop, un medikit de plus. Le son est excellent. Je sais pas si vous avez entendu les cris des dinosaures. On va laisser peut-être les cris cette fois-ci. Vous avez entendu la musique qui s'est un peu énervée au moment où il a sauté. Ça, c'est assez génial. On va le laisser monter, lui. Et regardez, hop, au sabre. C'est assez efficace aussi. Voilà. Oh, il n'est pas tout à fait mort. Allez, on va s'enfuir, ça fait un peu d'action. Hop. Voilà, c'est plus lent au sabre, évidemment, mais quand vous vous retrouvez acculé et que vous n'avez plus de munitions, on est quand même bien content d'avoir un petit sabre sous la main de temps en temps. Voilà, encore un medikit. Donc là, je suis en mode facile. Il y a des medikits un peu partout. Ce qui fait qu'on évite à peu près les ennuis. En mode normal, évidemment, c'est plus compliqué. Il y a moins de medikits et surtout, vous avez moins de munitions. Et il faut plus de munitions pour abattre un dinosaure. C'est-à-dire que là, en général, en deux coups de fusil, c'est terminé. Alors que quand vous êtes en mode normal, il faut 4, 5, 6 coups de fusil. Donc à vous de gérer les cibles, de faire reculer un premier dinosaure, ensuite de vous tourner vers le deuxième pour essayer de vous occuper de lui au fur et à mesure. Donc voilà, ça devient un peu plus stratégique. Là c'est vraiment bourrin, mais je voulais qu'on aille le plus loin possible. Voilà, ça va permettre d'arriver peut-être au T-Rex, si vous êtes sage. Oh ! Are you one of the survivors ? Il y a des gens bizarres dans cet endroit. Donc je n'ai pas suivi trop le scénario, mais il y a un vrai scénario avec des dinosaures qui sont revenus. Je ne me souviens plus du scénario du premier. En fait, le scénario, on s'en fout un peu en général. Qui est ce personnage mystère? Vous le saurez en jouant à Dino Crisis 2 chez vous. Parce que je ne vous le dirai pas, parce que je ne sais pas. Voilà. Ah, on va voir les points de sauvegarde et on va voir comment on achète des choses. Ça, c'est pas mal. Là, par terre, je vais récupérer, je crois que c'est un petit journal, qui donne des indications sur les dinosaures. Donc, je peux en apprendre sur, par exemple, sur le Vélociraptor. Vous voyez, j'ai la fiche technique du Vélociraptor. Comme ça, on apprend des choses. Mais je crois que ça n'existait pas, Vélociraptor. Moi qui étais fan de dinosaures quand j'étais petit, j'ai jamais entendu ce nom-là. C'est, je crois, une invention de Spielberg. Les pteranodons, les ichthyodons, ce genre de trucs, ça existe. Mais Vélociraptor, je crois pas. Alors voilà, ça c'est le truc qui permet de sauvegarder. J'ai pas mis de carte mémoire, donc je vais pas le faire. Mais regardez, magasin, je peux acheter des armes.
Pour 9000 points, j'ai 12000, donc je peux m'acheter ce flingue qui va être un peu plus balèze. Voilà, c'est un four à micro-ondes. Donc on va pouvoir griller les dinosaures au micro-ondes. Je peux aussi acheter des chargeurs, peut-être en prendre un peu d'avance, 146 sur 200. Voilà, on va recharger les deux, comme ça, ce sera fait. Voilà. Non, j'en veux, voilà. Alors on donne, voilà, on me dit combien on veut de munitions à la madame la marchande, et ensuite elle vous les donne. Voilà, je vais ressortir. Donc là, j'ai mon deuxième flingue. Donc je vais le mettre dans mon inventaire, peut-être le prendre tout de suite. Voilà, je vous ai pas fait voir l'inventaire encore. Donc voilà l'inventaire des armes. Vous voyez, il est tout simple, très simple d'emploi. Arme principale, arme secondaire. Je vais mettre mon flingue tout neuf. On peut avoir des infos sur ce flingue. Voilà, un prototype qui donne de violentes vibrations pendant quelques secondes. Toujours le petit triangle là, sur le côté. Je vais vous le faire refaire peut-être. Vous le faire revoir. Je n'ai pas eu le temps. Voilà, le petit triangle qu'il y a ici permet d'avoir la vitesse, la portée, la puissance. Ça permet en un coup d'œil de voir si une arme est très efficace ou pas efficace. Voilà, c'est tout pour le moment. Donc je garde ça à la main, les objets, on pourra les utiliser tout à l'heure. Il a l'air en forme, mon gars, donc je vais pas forcément prendre un medikit tout de suite. Il y a des bestioles là. On va essayer de rentrer là-dedans. Ah, je me suis un peu trompé de côté. Alors il y a plusieurs chemins. Ah oui, je vous ai pas fait voir la carte. C'est voilà, impossible de rentrer pour le moment par là, avec ce personnage-là en tout cas. Je vous ai pas fait voir la carte, on va la regarder tout de suite. Il y a une carte qui vous permet de vous repérer. Voilà le chemin qu'on a parcouru jusqu'à présent, avec des bifurcations. Donc à vous de voir quel est le chemin le plus pratique. Il y a des endroits qui sont bloqués à certains endroits, mais vous pouvez débroussailler ensuite à coup de coupe, vous pourrez passer, vous faire sauter des passages. Enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Pour ceux qui aiment les Resident Evil, les trucs qui font flipper, vraiment, moi je trouve que c'est très très bien. Et encore une fois, là, ça mise beaucoup sur l'action. Donc voilà, tu veux des action man, ça vous plaira. Oh, une bestiole. Allez, tiens, on va entraîner mon nouveau flingue sur ce pauvre dinosaure. Vous voyez que c'est quand même très efficace. On peut griller un peu longtemps. Allez, viens là, mon petit bonhomme. Voilà, clac. Je suis inquiet, j'ai peur rien. J'ai peur qu'il me tombe des trucs dessus. Non, en fait, j'aimerais bien qu'on arrive au Tyrannosaurus Rex, ce serait pas mal. Avant que je me fasse étouffer carrément par les autres. Voilà, comme ça on n'en parle plus. Là, c'est le chemin est bloqué, donc pour le moment, je ne peux rien faire. On va faire le tour. J'aimerais bien vous faire voir le T-Rex. Parce qu'il est quand même très impressionnant. Voilà, vous avez vu, là, j'ai échappé à un Vélociraptor qui était juste dans mon dos. Ça, c'est un peu le reproche que je ferais au Resident Evil, c'est que les monstres ne vous suivent pas d'un écran à l'autre quand il y a une porte entre les deux, en fait. Donc ça manque un petit peu de réalisme. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave, on est habitué maintenant. Et encore une fois, niveau jouabilité, c'est incroyable ce que ça peut changer par rapport aux autres Resident Evil. Waouh, regardez, ça, c'est vraiment comme dans Jurassic Park. Le coup du... C'est dans Jurassic Park 2, le coup du champ de blé ou de maïs ou je sais pas quoi, avec les vélociraptors qui arrivent dans les fourrés. Vraiment comme des missiles, on dirait des torpilles de sous-marins en fait. Voilà, je suis un combo de 6, pas mal, ça va me rapporter plein de fric, je pourrais m'acheter un encore plus gros flingue la fois d'après. Voilà, 200 points, c'est bien pas mal. Allez, encore un plus, je pourrais pas faire de combo, mais voilà. On va pouvoir rentrer là-dedans, clac. Donc moi qui aime bien les Resident Evil, j'avoue que j'aime bien la série des Dino Crisis, enfin tout ce qui est des dérivés de Resident Evil, c'est pas mal. J'aime bien avoir peur dans le noir, moi. Ah, une petite scène cinématique. Je l'ai repérée grâce au bar du Cinémascope. Et voilà la bête, ouais. Je suis content, on va la voir. Alors là, j'ai un kit vibration, enfin j'ai une manette DualShock qui vibre. Quand il crie et quand il tape du pied par terre, évidemment, ça vibre. Donc ça, c'est génial parce qu'on est encore plus dans l'action et on est encore plus dans le trip, quoi. Ça, c'est vraiment bien. Ah, il appelle le banc, parce que je crois qu'il est celui qu'on a vu dans la séquence d'intro. Alors là, je vais essayer de me le faire avec mon flingue, mais je pense qu'on va m'expliquer que c'est pas la peine, que ça marchera pas avec ce flingue-là. Une arme normale ne suffira pas pour abattre le T-Rex, vous voyez. Donc il va falloir que je trouve un petit peu plus gros. Il est préférable de fuir rapidement. Je suis assez d'accord sur le principe. On va essayer de lui passer entre les pattes. Oh oui, c'était bien vu, c'était habile. Ah, c'est pas trop, il n'y a pas d'endroit à s'échapper par là. Alors je trouve une sortie à tout ça. Parce que là, il a fait bouger une espèce de gros container et du coup, je me retrouve coincé. Donc il faut que je trouve un endroit par où sortir. Ouh là là. Je vais peut-être me prendre un medikit. Tu as raison, Manu. Manu, c'est mon conseiller technique. Donc voilà, regardez, objet à guérison. J'en ai plein en plus des medikits. On va en prendre un médium carrément. Et regardez ma barre de points de vie. Tac, ça remonte carrément. Donc je vais aller beaucoup mieux maintenant.
Je vais monter à l'échelle derrière, en fait, on va faire le tour par là. Allez, grimpe, petit bonhomme, voilà. Oh là là, on va se faire choper, oui. Voilà, comme ça, j'ai fait le tour d'un container, je vais pouvoir accéder à l'autre partie de la carte. Vous entendez les cris? Je ne sais pas s'ils les ont repompés dans Jurassic Park. C'était assez étonnant le travail qui a été effectué sur les cris de Jurassic Park. Je ne sais plus si c'était des tigres, il y a un éléphanteau, il y a... C'est un mélange de plusieurs cris d'animaux, en fait. C'est assez étonnant, ralenti et remixé, bien sûr. Mais les sons sont excellents, vraiment. Vite, fuyons. Waouh. Ouais, j'adore ça, j'aime bien les dinosaures. Bon, là, j'ai le choix entre deux portes, on va prendre... Aïe, 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 aïe. Regardez ça, comme c'est beau, voilà. Et là, on me tire dessus. En plus du dinosaure, c'est quand même pas le dinosaure, il a des trop petites pattes, il peut pas tenir un flingue. Donc, c'est ces espèces de personnages un peu bizarres. On se demande s'il n'y aurait pas une histoire de voyage dans le temps avec des combinaisons, des gens qui ont ramené des dinosaures, on sait pas trop. Donc voilà, allez, on rentre à l'intérieur et on va aller se battre à l'intérieur. Normalement, c'est un peu plus calme à l'intérieur. Voilà, donc on se retrouve grand classique des Resident Evil en intérieur, alors que pour le moment, vous avez vu que c'était plutôt des scènes d'extérieur, ce qui est assez rare. C'est vrai que c'est toujours dans des maisons hantées et tout ça, les Resident Evil. Là, on était dans la jungle, ça change un petit peu. Ça change pas le principe, mais au moins, ça aère quelque peu. On va visiter, je crois qu'il y a une infirmerie, voilà. Elle est ici, tac, on va aller voir l'infirmerie, on va peut-être récupérer quelques médikits et quelques informations. Et on va voir comment ça se passe. L'ambiance est pas mal. Donc là, encore une fois, je pourrais sauver. Est-ce que je peux acheter des flingues? Je crois pas que j'ai fait assez de carnage pour récupérer. Voilà, des notes du médecin, donc on en apprend, je vais pas la lire en entier, mais on apprend des choses sur le scénario au fur et à mesure, évidemment, au fur et à mesure que ça avance. Voilà, on dit on n'aurait pas dû jouer avec le feu. Tu m'étonnes, il y a un tyrannosaure de 20 mètres de haut dans le jardin. Voilà, on peut fouiller les pièces. Là, j'ai trouvé une clé plate. C'est ça qui me trouve un peu minable dans la Resident Evil, c'est le niveau des énigmes. Toujours trouver une clé pour ouvrir une porte. Voilà, quand même un medikit. Voilà, comme ça, je suis tranquille, je pourrais me soigner en cas de problème. Oh là, c'est bientôt fini ce level 1. Donc, je suis content, vous aurez vu le tyrannosaure, on aura vu pas mal de choses. J'espère que ça vous aura donné envie. Encore une fois, si vous êtes fan du genre, je pense que vous apprécierez. Si vous accrochez pas, vous accrocherez pas plus qu'un Resident Evil. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Dinosaure qui m'attend dans le couloir, peut-être pour finir. Ouais, allez, on s'en soupe deux et on se dit au revoir. Soyez sages, à bientôt. Yeah.